Vous regardez la Minute Info LSL. Nous sommes le vendredi 2 octobre. Voici l'essentiel de l'actualité. Bonsoir. Dans la force policière, l'affaire est déjà qualifiée de « photo de la polémique ». Ce policier risque des sanctions pour cette prise en photo dans cette posture que vous voyez avec deux armes à feu de la police. Il a ensuite posté ce cliché sur Facebook. Une petite recherche nous a permis de voir d'autres photos. Il fait l'objet d'une enquête des casernes centrales. Autre polémique, cette phrase d'Anil Gayan. Lors d'un congrès politique public hier, le ministre de la Santé a avoué s'être attaqué au dossier pour une étonnante raison. Selon lui, Rajesh Bhagwan s'est fait élire au numéro 20 grâce à 300 votes de patients sous méthadone. Voilà pourquoi j'éradique la méthadone. Alors que les indicateurs économiques sont décevants, le ministre des Finances n'est pas inquiet. Nouveau bisin arrive à un taux de croissance de plus de 5% pour nous capables, dites-moi un avion ça, pour nous capables de démarrer l'économie. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, Vishnu Lakshmi Narayudu a réitéré son optimisme pour faire de Maurice un pays à haut revenu avec une très importante croissance. Et on termine avec ce que croit savoir le site internet Recode. La direction de Twitter pourrait revoir sa limite de caractère pour un tweet. Il est actuellement à 140, un changement qui, s'il intervient, pourrait bien changer les habitudes. Suivez l'Express sur Twitter et sur Facebook pour l'information en continu. C'était la Minute Info.